Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour les énergies de ce jeudi 16 mai 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, petite philosophie du matin, se rapprocher de son but. Eh bien, se fixer un objectif et faire tous les jours quelque chose pour s'en rapprocher. Et aujourd'hui encore. Voilà cette belle philosophie de ce matin, de ce jeudi. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé 6e chakra à l'endroit, archange Métatron, c'est les pensées claires, vision personnelle. 6e chakra, c'est le 3e œil, n'est-ce pas? Ce très puissant archange, n'est-ce pas? Ce bel archange Métatron a été un humain, ainsi que son frère Sandalphon. Et Métatron transmet de lumineuses vibrations indigo à votre 6e chakra, c'est-à-dire le 3e œil, qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires, qui se trouve entre les deux yeux, n'est-ce pas? Eh bien, cette carte, elle indique une plus grande clarté dans vos pensées et une perspective accrue vers des horizons plus larges. On a l'impression que vous percevez de nouvelles choses et que ces nuages qui étaient dans la confusion disparaissent. Et d'une certaine manière, eh bien, il pourrait s'agir d'un nouveau commencement. Alors, ça peut être sentimental, familial, professionnel, personnel. Car pour certains d'entre vous, vous êtes sur le point de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie présentement et pour quelles raisons. En tous les cas, il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision des choses, sur votre vision personnelle. Qu'est-ce qui fait que ce 3e œil voit autre chose que vos deux yeux? À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois, dans les années à venir? Alors, ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes. Vous savez, la loi d'attraction visualisée, visualisez ce que vous aimeriez avoir, ce que vous aimeriez devenir dans ces prochains jours, prochaines semaines, etc. Vous savez, la perspective dont vous avez besoin pour créer une vie stimulante vous est maintenant accessible, parce que maintenant vous savez. Avec cette carte, vous savez. C'est magnifique, n'est-ce pas? L'affirmation pour aujourd'hui, eh bien, mon 6e chakra est parfaitement et sainement ouvert. Ma vision personnelle me guide et mes pensées sont paisibles et claires. Demandez à ce bel archange Métatron qui a été un humain et qui sait les difficultés que les humains rencontrent ici sur Terre, puisqu'il lui-même a été humain. Demandez-lui de vous aider, de vous montrer ce que vous ne voyez pas. Osez lui demander. Il ne demande pas mieux, n'est-ce pas, que de vous aider. Très, très, très beau message, n'est-ce pas?
encore une fois. Se faire confiance, message de ton âme. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Écoute ta petite voix intérieure tout simplement et fais-toi confiance. Waouh, quel beau message de ce bel oracle, message de ton âme. Eh bien voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour le dernier message de la semaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.